Tu es garçon. Tu es PD ou bien? Vous couchez ensemble, vous deux, c'est ça? Elle devient femme, garçon. Et toi, tu es femme. Hein? Vous gagnez quoi dans ça? Vous détruisez. Quand vous couchez ensemble, qui vous détruisez? At this time, you have. Tu couches avec elle. The decorses together. La nuit, tu es quoi? At night. Tu es un garçon. Et elle devient quoi? I become a boy. Ah, mais non, c'est pas les garçons seulement qui couchent. Tu couches avec elle. Et ton kiki là, c'est un gaillard qui couche avec elle. Tu cherches quoi? What are you looking for when doing it? Come on! Come in! Allez! Feu! Fire! Feu! Fire! Allez! Allez! Go! Feu! Allez! Allez! Feu! Feu! Allez! Fire! Feu! Fire! Feu! Feu! Fire! Feu! Fire! Feu! Fire! Feu! Fire! Feu! Fire! Allez! Go! Destroy your power. Esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. Esprit de la sorcellerie. Spirit of witchcraft. Si vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, qui fait arracher les aveux, un sorcier, et qui ne fait pas sortir des démons, il n'a pas délivré le sorcier. Il ment. If you can see, il ment, il n'a pas arrêté ça. We cannot be able to tell the demon. Parce qu'il y a un démon qui les anime. C'est ce qui fait deux sorciers. Or, si le démon n'est pas délivré, et la personne n'est pas délivrée, le démon n'est pas parti, the person is not delivered, elle demeure sorcière. C'est pour ça que les gens font des camps de prière, camps de prière. Une fois le démon parti, c'est fini. So what you have to do is to chase the devil. Sort. Out. Sort. Out. Sort. Out. Sort. Out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Ça partit. Are you going to leave? Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Elle fréquente? Oui, oui. Elle est en quelle classe? Oui, elle sera sage-femme. C'est bien. Bien. On va la délivrer, tu as compris? Tu vas retrouver ta fille. Il faut avoir ce qu'on appelle la compassion des âmes pour faire ce travail. Right. Il faut avoir la compassion des âmes, de comprendre qu'une personne qui a envahi une famille, de understand that. Et toi, t'as ta moule là de faire sortir. Oh ailleurs, non. We can be able to love people. Vous l'éliminez. Like witches or sorcerers. Oh la différence. Jésus dit. Jesus says. Aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes. You have to love one another. La chrétienté, c'est pas dans la bouche. C'est une vie, c'est pragmatique, c'est l'amour. What you have to do is life. Le chrétien doit manifester l'amour. Give love. Il le partage. Share. Dans l'image de Jésus, notre maître. Image of God, Jesus. Ça quand quelqu'un dit il est homme de Dieu, je lui dis moi je pose la question. When someone says, est-ce qu'il fait des aumônes? He's a man of God. Je vous dis la vérité, est-ce qu'il aide les gens? Est-ce qu'il assiste les gens financièrement? If he's able to. S'il ne voit pas ça dans la vie d'un homme de Dieu, quel que soit ton message, tu prêches. Quel que soit le rejet de Dieu, je ne crois pas en toi. If you don't do this, I don't believe in your action. Nous devons manifester l'amour. We have to demonstrate. C'est ça la différence. What that is the difference. Laisse. Lâche-la. Leave her. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sort. Out. Sort. Out. Tu vas partir. You're gonna leave. Tu vas quitter son corps. Are you gonna leave his body? Va-t'en. Out. Va-t'en. C'est une lutte, vous comprenez? Entre l'esprit et l'esprit de Dieu. Le diable ne veut pas utiliser ce corps. Il fait de ce corps une habitation. Les démons sont plus à l'aise dans un corps humain.
The demon spirit at ease in the human body. Lash. Release it. Lash-la. Release it. Lash-la. Release it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu vas partir. Are you going to leave? Tu vas quitter ce corps. Are you going to leave this body? Maintenant même. Right now. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lâche-la. Release it. Va-t'en. Out. Lâche-la. Release it. Va. Go. Sors. Out. Lâche-la. Release it. Ceux qui initient les enfants, ils sont méchants. Oui, c'est très méchant. C'est très méchant d'initier les enfants. C'est très méchant. Parce qu'ils savent que les enfants réussissent parfaitement leur mission. Un enfant sur le terrain de la sorcellerie est trop dangereux par rapport à une autre personne. C'est comme une femme. A kid is successful in his mission. Lâche-la. Release it. Sors. Out. Tu vas libérer ce corps. Are you going to release this body? Maintenant même. Right out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Tu es une sorcière comme dans ta maison. Comment tu as dormi? How can you sleep if you bon, 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 bon dans la chambre. Bon, bon, bon. A witch. Bon, bon dans la chambre. Bon, bon. C'est terrible, hein? C'est que vous devez cultiver, c'est-à-dire, soyez sûr que le personne, la personne qui dort avec vous dans la même maison, vraiment n'a pas l'esprit de la sorcellerie. Parce que quand vous allez avoir une personne sur votre toit qui a la sorcellerie, les choses commencent à se fermer. Pac, 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 pac. C'est le premier signe. The day you're gonna have les choses commencent à se fermer. Vous allez voir que vous êtes en plein emploi, ou le patron vous aime pas. La personne qui rentre, vous allez dire, le discernement. C'est ça qu'on appelle le discernement. Quand une personne vient chez vous net, commencez à calculer les choses. Depuis qu'elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a évolué, qu'est-ce qu'elle n'a pas évolué. Commencez. Vous allez voir beaucoup de choses. What arrived in your life? What happened? La sorcellerie fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus envie de rendre service à un parent. Unfortunately, because of witchcraft, we cannot help people. Non, pour m'envoyer, t'envoies ton enfant, pour les mettre. Oh, c'est le danger, ça dit c'est le contact entre le village et la maison. C'est un point de contact. Vous savez quand les blancs ont combattu la sorcellerie, vous avez vu les blancs sont solitaires, ils sont seuls. Ils s'en fichent. Les blancs, non. La femme n'a pas quitté la maison. Parce qu'ils ont compris que pour avoir quelqu'un, il faut une personne qui vit sur le pouvoir de la personne. Pour contrôler. To reach someone, you need another person living the same house. Oh, non, on est trop famille. Si tu refuses, on va dire, ah, le gars est méchant. You know, the family system is just in Africa. Oh, Jésus dit quoi? Jesus said, il est important de faire la volonté de Dieu que de faire plaisir. It's really important to do the si wish vous devez rechercher, est-ce que l'acte que je vais lui poser, Dieu approuve ça? Sinon, moi, ils m'en fichent les autres. What I'm doing, God agrees with what I'm doing. Parce que tu peux rendre un service, tu peux te tourner contre toi demain. Soyez très prudent. You have to pay attention. Quand une dame, elle ne sait pas si elle est partie, elle a une jeune fille qui est servante sorcière. Et la servante a initié tous les enfants. A woman in her return. Mais c'est la partie simple des sorciers. Quand les sorciers sont là, c'est initié. Il est très facile d'initier un enfant. All girl working with her as a servant. Vous allez voir que vous appelez un enfant, l'enfant est attaché. Vous regardez, vous dites un peu. All their kids. Ton fils, ça a commencé. Dis, mec, je n'arrivais pas. Si, 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 voilà. C'est fini. Vous allez voir un petit rebelle. L'enfant a commencé. Vous sentez ceci. And even if your enfant, c'est fini. Amenez-le à la salle de délivrance. Pendant les vacances, envoyez vos enfants. Ceux qui vont manger, sauce pour la demain, la saison 2. Si vous voyez dans la maison, les petits petits là. S'ils ont faim, c'est toi, ils vont te dire gros. Mais on te couper. Un placali, sauce pour la demain, te manger bien. Tirez ton nez, tes oreilles. Pendant qu'ils mangent ta tête, ils t'insultent.
Bouche de maman, la Bible dit ça. On est langue de feu. Je vais vos petits enfants, sans de gros moyens de main. You have to pay attention. Voilà qui demain est insulte. Well, je vais te maman qui m'insulte là. Elle placali. Bonne somme là. Soyez out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'ai envie d'organiser une colonie de vacances. Spéciale. Avant enseigner les enfants pendant deux semaines. Je vais réfléchir un peu sur ça, un peu possible la semaine prochaine. Je vais annoncer ça. Teach, on va organiser une colonie de vacances. Deux semaines, on va habituer les enfants à la prier. Une certaine heure, on les réveille. On leur fait la prière. On leur donne les versets bibliques. Quand vous vous réveillez, avant de dormir, voici ça. Et puis, si sont 200, on va tous les tester. Et so ils prennent le petit déjeuner et une fois dans la semaine, on les met sous jeûne du matin jusqu'à 14h. On va organiser ça. Il faut qu'on prépare une génération sans sorcier. Ça, c'est important. Il faudrait qu'on... C'est ça le problème de l'église. On n'aime pas préparer la relève. Donc, les francs-maçons, vous voyez là, quand ils vont voir qu'il y a des leaders dans les écoles, ils vont commencer à les préparer à la franc-maçonnerie, ils vont commencer à les mettre dans les jeunes chambres d'économie, ils vont commencer à les mettre dans les Rotary Club. Tous vont les préparer jusqu'à des finish, ils vont tomber sur la franc-maçonnerie. Il faut commencer à former les enfants. Je vais commencer, je vais voir mon emploi du temps et je vais organiser la colonie des enfants ici. Parce que c'est les enfants, c'est eux, because la relève de demain, c'est eux. The children today, au nom de Jésus, represent tomorrow. Au nom de Jésus. Quand vous voyez que je suis en train de faire ça, que le démon ne bouge pas, vous savez que l'appétit n'a pas tout dit. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Ici c'est une école de délivrance. Here is a school of c'est pragmatique, c'est pas, on ne parle pas trop ici. Dès que tu es un démon, tu le chasses. So much. Amen. Vous pouvez chasser des démons. Amen. Habituez-vous à ça, priez pour les enfants. You have to pray. Imposez les mains aux enfants, commencez à prier pour les enfants. L'esprit des temps, je te chasse. Vous allez voir, plus vous allez commencer à vous habituer à prier pour every kind of Dieu va vous accorder l'onction. When you do that, habituez pour les enfants. Une fois dans la semaine, appelez un enfant, bénissez-le. One time in a week. Si vous ne pouvez pas le faire chaque jour, mais une fois dans la semaine, and bless him. De préférence lundi matin. Lundi matin. Monday morning. Quand vous fixez le à 4h du matin, appelez votre enfant, bénissez-le. At 4 a.m., you come to vous allez le bénir 4 fois dans la semaine. Bless him. Or, la parole est une semence. Si tu veux voir un enfant ministre, commence à s'aimer le ministre en lui. If you want your kid to be a minister, est-ce que vous savez que ce qui en vous est plus? What you have to do is to teach him. L'avenir de votre enfant est dans votre bouche. The future of your kid is in your mouth. Tout est dans votre bouche. In your mouth. C'est parce qu'on néglige ça. We don't have to neglect. La Bible dit que tout ce que tu vis est lié. Tout ce qui te délie est délié. Mais vite l'enfant, délie sa vie. Je délie ta vie, mon fils Germain. I bless your life, my son. Sois un grand type demain. Be a VIP tomorrow. Quand on parle de quelqu'un qui a l'argent, que ça soit toi. Sois au-dessus de ta génération. Ce que tu as semé là, tu vas récolter ça un jour. Parce qu'on ne répasse que ce qu'on a semé. Vous plaignez, mon enfant, ça a semé quoi dans ta vie? Tu as semé quoi? Rien. Vous le maudissez. Mais c'est malédiction, tu vas récolter. Vous négligez les choses spirituelles. Or, c'est important. Dès que tu sens que ta femme va commencer à avoir un fœtus, commence à bénir le fœtus. Dis-toi, le fœtus, le bébé là. Toi, bébé, la terre là, tu dois être le meilleur. Je déclare que tu dois. When friends is your sois un milliardaire. Tu vas commencer telle école, toi le premier. Tu commences déjà le fœtus. You can even chaque jour parle à la grossesse de ta femme. Tu entends les semer de bonnes choses dans le ventre du bébé. Amen. Amen. Le jour que l'enfant naît, cherchez à me voir, je vais vous donner un secret. Et le secret commence à maîtriser, ne partage pas à tout le monde. Vous allez faire de lui un soldat. On dit un, il retient ça. The day is gone. Il y a ce secret là. Je suis rentré dans le cœur de Dieu, les choses qui sont en train de maîtriser. C'est vous qui dormez la spiritualité. Moi, je cherche à.
Les scientifiques, vous voyez là, eux ils cherchent tout. Or, l'église ne cherche pas. Or, quiconque cherche tout. C'est le principe de la divinité, de la loi spirituelle. Quand tu cherches, tu trouves. Quand tu dis qu'il y a déjà tout, tu ne vas jamais avoir Dieu en tes rêves. Oh, on a rien. We have nothing. Amen. Rien ne suffit pour rendre les gens intelligents. We have to make people intelligent. Dès qu'un bébé naît, emmenez-moi le bébé. Well, as soon as a baby is born, on a fait le meilleur. He'll be the best. Vous dites pas amen. Amen. C'est chez nous ici la bénédiction. The blessing is here. C'est ici. La Bible, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est sa bénédiction. The blessing of. Non, je l'avais. Moi, maintenant, la fois au village, tu vas laver quelle enfant au village. C'est sorcier dans l'île. On fait cérémonie de baptême. Arrêtez tout ça. Ça n'a rien fait aux enfants. On va raser ses cheveux dans le bois. Envoyez-moi le petit secret. Il y a les choses qu'on ne peut pas revenir. Le petit secret spirituel. Ton enfant doit être meilleur en place. Et puis on demande si l'enfant de qui. Be the best. Ton enfant, hein, c'est ça. On dit Dieu avec quelqu'un. Il dit, je bénirai le fruit de ton travail, de tes entrailles. Le fruit des entrailles seront bénis. Quand Dieu bénit, il bénit aussi tes enfants. C'est le premier signe. Tu vas commencer à bénir tes enfants. You have to bless vos enfants, vous voyez là, ce sont c'est la relève. Ils vont prendre la relève demain. Ils portent vos noms. They have the name. Voilà. Vous voulez que ce soit des bonnes choses qui les accompagnent. Je vais organiser une colonie de vacances ici. C'est important. Nous voulons envoyer une génération de gens. Donc, ils ont dans la tête comment combattre la sorcellerie. To have a generation. Nous allons préparer les enfants. Président. On va commencer à réformer les gens. À ça. Eux-mêmes vont commencer à sensibiliser les gens. Autour de l'école. On leur encourage. Pourquoi on prépare les enfants à ça? We have to prepare. On apprend à dire non. Quels sont les signes qu'on regarde dans le rêve? Quand il y a un signe, what are the signs on va enseigner. That we can have oh, il y a les enfants, ils voient déjà les choses, mais quand on les interdit de ne pas parler, c'est fini. Or, s'ils ont l'habitude de dire les choses qu'ils voient dans le rêve, c'est pour ça que quand un enfant se réveille, demandez-lui il a vu quoi, s'il vous plaît. Ayez l'habitude de causer. Ne soyez pas les papas dictateurs, méchants. Si on vous éduque comme ça, de vos enfants, là, soyez tendre avec eux. Prenez vos enfants comme des amis. Take your children. Ils vont tout vous dire. They will say everything. Faut pas que les enfants aient peur de vous. Oh, l'enfant, tu vois là. Pour te détruire, c'est facile. Pour réussir une mission de la société, c'est très facile. Si on a envoyé ton enfant comme ça, c'est rapide. Un witchcraft? Si tu n'es pas moi, je te terrasse. Là, c'est le même sang. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Il y a des choses qu'on doit enseigner aux enfants. Amen. Vos enfants, c'est un investissement. Un enfant, c'est un investissement. Vous ne devez pas investir à perte. A kid is not investment. Tu mets un enfant à l'école, tu es fier. Parce qu'on parle bien de l'enfant à l'école. C'est comme ça, on dit Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons tenir. Ce soir à 20h, il y a programme. Tenez-vous. Je serai là à 20h. Nous allons prier pour trois familles. We are going to pray et nous for allons prier. Nous allons faire les aveux. Poursuivre les avis de certaines personnes. And, on se tient debout. Keep on going. Et tu vas parler, lève ta main droite. Pour dire à Dieu, aujourd'hui, tu vas dire le combat pray. Qui est en face de moi. Je suis convaincu que je ne perdrai pas ce combat. Me, je suis convaincu que tu donneras la victoire. That prions ensemble le Seigneur. Commence à parler. Commence à parler. Oui, tu ne perdras pas dans ce combat. Yeah, il doit annoncer quelque chose. Il t'a annoncé quelque chose. You receive only for me. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. Le Dieu que tu pries, the God you pray, c'est à lui qui appartient la victoire. The victory belongs to me. C'est à lui qui appartient la victoire. The victory belongs to me. C'est à l'Éternel qui appartient la victoire. The victory c'est belongs à l'Éternel qui appartient la victoire. Eternal. Oui, déclare ça au diable. Declare it. Déclare, fais tes déclarations ce matin. Fais la déclaration. Dis au diable que tu ne seras pas dans ce combat. Il est même en avance. Mais tu ne seras pas dans ce combat. Parce que désormais, j'ai l'Éternel comme appui. Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi. Oui. Tout
Tu ne mourras pas dans cette maladie. You're not dying, that's the... Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ils ont échoué. They have dis failed. À Satan, dis au sorcier, dis à la maladie. Sorcery, ils ont échoué. The sickness, they have ils ont échoué. They have failed. Ils ont échoué. They have ils ont menti. They are le diable est un menteur. The devil is a liar. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Il a menti. He's cursed. Il a menti. He's lying. Parce qu'il a la victoire. Because I j'ai la victoire. I have the victory. J'ai la victoire. I have the victory. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. That's your name. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Cheering for Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort, plus fort, plus fort? Alléluia! Alléluia! Amen!